Bonjour, c'est Grey Fox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de StarCraft. On est en Zerg contre Terran, on joue sur Blackburn. Allez, c'est parti, tac tac. Alors, comment je vais ouvrir ça? On va gober de direct. Nécessité d'alimentation en minerai. Insuffisance de minerai. On va ouvrir avec un peu de zergling, on verra ce qu'on fait ensuite. Merde, fallait pas que je fasse de la pop là, fallait que je frappe, putain, j'ai J'ai failli mon BO, fallait que je fasse le. Le bassin génétique, je suis trop con. Je suis trop con. Bon bah du coup ça va être un peu random comme game, mais bon c'est pas grave, on est parti. On va remplir ça direct. Bon, ça devrait le faire. Allez, la cuisine. Tac. Nécessité d'alimentation en minerai. Et on est parti. On va juste faire la petite upgrade, évidemment. Kikari. Tac. Un peu de pop, ça pourra toujours servir. Il a envie de se battre lui. Très bien. Vraiment là? Allez, ciao. On va aller voir un peu ce qu'il y a en face. On va gober 3. Un peu de creep, ça fait pas de mal. Ok, l'upgrade fini. On va se regrouper, on va prendre la vision. Ok, c'est fermé. Il y a du Hellion. Bon, pas besoin de forcer. On va juste en laisser quelques-uns qui prennent la vision. La B3 qui est là. On va venir plutôt chercher le creep. On va refaire plus de larves évidemment. Tac. On va upgrade ça, prendre un peu de gaz. Ok. J'ai un petit souci de pop, mais tranquille. Qu'est-ce que je vais faire comme compo? En vrai, je pense que je vais go full mecha sur cette map. À mon avis, ce sera carrément au petit. Insuffisance de la présence des dominants.
Hop. On va prendre de la vision avec le creep dans notre base, ça sera toujours bien. Je continue à faire masse écho pour l'instant. Ça va là, ça va là. Toujours sur deux bases en face, c'est assez original. Je vais mettre quelques défenses statiques. J'ai peur que ça joue baissé en face. On va être fixé très vite. On va se faire un peu de détection. On va voir ce qu'on peut en prendre. Hein. Toujours rien, toujours pas de B3. Si je me prends un gros rush de Battlecruiser, ça va me faire bizarre quand même. Je pense que je vais poser une deuxième aiguille pour les upgrades. Hop. On va go full gaz. Un peu de larve. Le creep, je pense que je vais go B4. Allez, c'est parti, les mutas. Hop. Alors, j'ai plus de pop, ça c'est un peu triste. Mais tranquille. On va se concentrer sur un peu le creep. Ok, on a de la Banshee. On va se regrouper. J'ai pas lancé mon plus en attaque, là je suis un peu con. Ok, ça arrive par là. J'ai ma détection dans la main. J'ai mes tourelles. On va l'attendre. Hein. Non, on va aller le chercher. Il va pas me prendre. J'ai même pas besoin de donner des Arglings, mais. Bon, ça me fait de la pop en vrai, on va être positif. On va lancer le plus simple def aussi. On va aller chercher les dégâts ici. Ok, il a quand même de quoi me tenir je pense là. On va pas trop chercher à faire le fou. On va refaire un peu de pop. À mon avis, on va aller mettre un peu de creep spread par là. Tac, tac. Je vais faire masse muta sur cette map, à mon avis c'est vraiment free. Ok, je suis encore full pop. Faudrait que je me mette quelques petites défenses par-ci par-là. En vrai, je crois que je vais go tier 3 direct. On va aller chercher les dégâts comme on peut là. Nécessité d'alimentation. On va voir ce qu'on peut trouver. Recombinaison des séquences terminées. Mutation de l'essaim. Ok, il a qu'une tourelle, bah il va pas aller loin avec ça le pauvre. Hop. Ok, il y a quelques marines. Pas besoin de prendre le fight. On va aller chercher. Ok, il a mis deux tours à chaque fois, mais je pense que je peux les tomber. Ok, je pensais que je pouvais les tomber, j'ai rien dit. Bon, je pense que j'ai quand même mis quelques dégâts, mais pas autant que j'aurais voulu en vrai. Ça m'a l'air bien compliqué tout ça.
ça là. Continue à prendre de la vision avec le creep. Tiens, on va mettre un peu de creep par là, ça fera pas de mal. Toi, tu m'en mets par là. Hop. Oula, beaucoup de peuple. Je vais quand même me prévoir de l'armée au sol pour le tomber si j'ai besoin. Tac. Ok, on va faire des hydras. Je vais prendre encore plus de gaz, on n'a jamais assez de gaz. C'est bon la pop là, ça va arrêter de me saouler. Bon. Ça, ça va là. Je vais essayer de m'ouvrir tous les passages dont je peux avoir besoin. Ok, on va pouvoir commencer à jouer un peu. On va se faire ça. Ça, qu'est-ce qu'il a en face du boss marine? Allez, c'est parti. On va le chercher. On va aller chercher un peu du bailing après, je pense. Tac, bon, c'était pas très méchant en vrai. Ça se tankait. Allez, B5, c'est parti. Ça, ça va là. Ok, on commence à avoir des grosses upgrades sur les unités aériennes. On va refaire des injections. Tac. Ça, ça va là. Hop. Bon, 87 récolteurs, je pense que c'est ok. On va lui balancer du gros hydralisque énervé. Ultralisque. Oui, c'est ça. Ok. Tac. Tac. Le creep, le creep, le creep. Ce serait bien que j'aille en remettre par là en vrai. Est-ce que je peux péter ça? Ah, mais je suis full pop en fait. Ça, ça peut être marrant ça. On va se faire quand même du bailing, à mon avis je vais en avoir besoin si ça joue bio en face. Ok, on va pouvoir mettre de la pression comme ça. Je suis pas sûr d'avoir très envie de prendre ce fight. Ah non, c'est de la merde. Oh, j'ai perdu tous mes mutas. Pourquoi j'avance pas comme ça, je comprends pas. Et j'ai perdu beaucoup là. J'avais un peu fait de la merde à prendre le fight, j'ai été overconfident. Je savais que la prise de fight était dégueulasse, mais je pensais que j'avais assez pour l'écraser. Mais... ça a été un peu plus technique que ça apparemment. Bon, il me clear pour l'instant. Le problème c'est que là, le goulet d'étranglement, il est impossible à passer en fait. Hein. Ça, c'est quand même assez chiant. On va faire l'upgrade ici. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok. Ça, ça va ici. Bon, je suis full pop, il faut que j'y aille. En vrai, je peux passer par en bas, évidemment. Évidemment qu'on va passer par en bas. C'est obvious! Ok, on va mettre un peu de creep par là, un peu par là. Un peu par là. Oh, je peux le surprendre de ouf là. Oh là là. All run by, let's go. Non, j'ai pas l'upgrade de sur les bendings. Ah, ça m'a libéré de la pop. Ça peut être marrant. Je prends plus cher que ce que j'aurais pensé quand même. Oh, c'était rigolo, y a aucun regret. Alors, on va refaire ça.
Alors par contre là je vais avoir un problème là, non? Parce que j'ai plus d'armée en fait, derrière. Ah oui, c'est compliqué ça. Putain, il a rien mais j'ai rien non plus en fait. Ok, on y va. Hein. Ah oui, d'accord, on est là-dessus. Il ramasse carrément cet or. C'est une humiliation en fait. Ah, mais là, par contre, je vais le fracasser. Hein. J'ai pas trop aimé ce qu'il m'a mis, je vais me venger. Ok, mec, t'as plein de torts, c'est bien. Bah, GG à toi. Je commence à être assez violent en termes d'upgrades. On va aller check s'il y a une petite base qui traîne par ici. Ok, ça je prends, merci. Oh là là, oh le taf. Le taf des bordels. Est-ce que je peux le choper ou est-ce qu'il répare? Je pense que ça passe en vrai. J'ai un doute. Let's go. Non, non, les ouvriers, l'écho. Let's go. Là, j'ai les renforts qui arrivent. Qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va rien faire, évidemment. Bon, j'aimerais bien reposer ma base quand même là, parce que ça fait un peu vide, hein, je vous avouerai. Je l'aimais bien. C'était stylé. Le B5. Tac. Allez, on se barre, on se regroupe. On recheck le creep. Genre, il y a une base là, derrière. Ça, c'était un peu inattendu. Bon, celle-là, elle va vite dégager. Ok, il y a encore du tort par là qui traîne. Voilà, je lui ai ruiné son écho par contre. On va réinjecter. Tac. Tac. On va aller check tout en haut parce que du coup, maintenant je m'attends à tout. Non, il n'y a rien. Ok. Le creep toujours. Je pourrais prendre beaucoup plus de base, mais je sais pas, je galère un peu en écho en vrai. Voilà, je pense que je vais pouvoir aller le finir. Je vais juste m'assurer que j'ai assez pour lui mettre le coup de grâce. On va aller prendre une B6. Ok. Je vais refaire un peu de Belling. Un peu de Zergling. On réinjecte, on prépare la suite. La B4 elle est reposée, ouais. Un peu de gaz, ce serait cool. Ok, je l'ai vu bouger. En vrai, il est sorti, donc ça veut dire que je peux y aller. Ok, bon, il y a un peu de trucs relous là. Est-ce que je peux passer? Est-ce que j'arrive à passer? Putain, il est... Là, ma place, c'est compliqué de prendre les fights, hein. Quand le mec, il est campé, quoi. Alors ça, c'est relou. Que j'ai des unités qui peuvent arriver s'il vous plaît. Oh, il m'a pris tellement. C'est dramatique. J'en ai encore qui sont en train de le fracasser, on est d'accord. Alors il y a du tank, faut que je fasse gaffe, je vais me repositionner un peu. Ok, on va cancel ça. Oh, il est insupportable. En vrai, je commence à être en galère niveau écho, faut que je fasse gaffe. Hein. Pourquoi j'en ai 5 là-dedans? Ok, normalement ça je le clear, mais... Il est très relou, quoi. Ok, il a FF. De toute façon, il n'avait plus d'écho, hein, c'était fini, mais oh, il m'a causé plus de tort que prévu, quoi. Bon. Bon, bon, bon. Ah, on me dit que je peux retourner sur Dofus. Bah, c'est donc ce qu'on va faire. Écoutez, fin de ce petit combat. Bon, je suis moins fort en Zerg qu'en Protoss, mais bon, c'était quand même rigolo. On l'a pas mal dominé en score, mais la map est pas évidente, hein, vraiment, pour camper sur cette map, c'est compliqué d'aller chercher les adversaires, quoi. Moi, j'avais quand même un gros avantage d'écho, à la fin, je lui avais tout détruit. Les ultralisques ont fait le taf. Bon, c'est quand même un stomp, mais j'ai eu du mal à finir, quoi. Voilà, j'espère que ce petit combat vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.